Voilà, donc on démarre notre nouvelle parenthèse On aujourd'hui commence? Non, avec c'est à part où je Joël et commence. Maryse. Voilà, Donc alors, Julie. Donc, c'est moi qui vais c'est commencer. Mais avant, Maryse je vais te dire qui qui démarre. commencerait. Allez, à Donc, toi moi, la je vais parole. commencer par vous lire deux petits poèmes d'un monsieur qui s'appelle Jean-François Versigny. C'est un Corse que nous avons rencontré il y a très longtemps, avec qui nous sommes toujours en contact, et qui sont dans son recueil s'appelle Évasion poétique. Est-ce qu'on peut voir est-ce que ça marche? Est-ce qu'on voit, mais bon. Et, ouais. Super. Donc, le premier s'appelle Jolie bergère. Jolie bergère, où t'en vas-tu, jolie bergère, en ce beau jour de printemps? Où t'en vas-tu, jolie bergère, toi qui files ta laine gaiement? Je m'en vais d'un pas, dit-elle. Pardon, c'est par vous. Je m'en vais d'un pas, dit-elle, conduire mon troupeau. Un jour, un jeune amoureux à travers bois avoue son amour à la belle que voilà. Quitte les champs et bruyères, sois mienne, lui dit-il, en m'épousant, tu seras reine. Mais la bergère, tout émue, dit: Je n'ai encore point besoin de mari. Dans le parfum du maquis, je vis libre et sans loi. Je ne saurais que faire d'un palais, mon roi. Et par les coteaux, par monts et vallons, heureuse je suis avec mes blancs moutons. Donc voilà le premier. Le deuxième s'appelle Toi que j'attends. L'hiver, dans son vieil habit neigeux, depuis plusieurs jours a cédé la place au printemps, vêtu de sa parure dorée, brodée d'azur et parsemée de dorures. Ornées de fleurs étincelantes, le genêt dévoile tout son charme, tandis que dans leurs fragiles corolles, les violettes offrent un doux et léger parfum. Une source aux fraîches eaux, traversant une verte clairière, tout à coup, semble s'arrêter un instant avant de poursuivre sa course vagabonde. Dans les joyeux buissons, où murmurent les feuillages, les oiseaux aux chants mélodieux, habillés de leurs plumages multicolores, viennent chercher leurs premiers frissons. Les arbres, longtemps dépouillés par le froid et la neige, retrouvent maintenant leur verdoyante chevelure, symbolisant avec éclat le renouveau de la nature resplendissante. Tout paraît harmonieux dans ce lieu rêvé, vrai paradis des amants, et pourtant dans mon cœur, c'est la tristesse et la nuit, car tu n'es pas là, toi que j'attends. Donc voilà les deux premiers poèmes. Donc je ne sais pas, est-ce que tu lis puis je relis derrière, ou Oui, est-ce je que je pense que c'est mon dirais tu lis comme alterne, ça on on passe. intercale ici. Oui, Pour ma part, donc Joël, pour ma part, je vous lis aujourd'hui des textes de Denis Laferrière, Dany Laferrière, pardon, extrait de l'art presque perdu de ne rien faire. Voilà, premier extrait intitulé La rose du rêve. Il faut savoir quand et pour quelles raisons on a cessé de regarder la lune. Je crois que la religion arrive précisément quand on perd la foi dans la nuit et la poésie. Un jour de l'année 1942, le poète André Breton reste figé devant un étrange tableau de Douanier Rousseau, dont le titre était Le rêve. Breton rentre chez lui pour écrire fiévreusement ceci. Je veux parler du rêve de Rousseau. Comme on peut penser que tout est contenu dans l'Apocalypse de Saint Jean, je ne suis pas loin de croire que dans cette grande toile, toute la poésie et avec elle toutes les gestations mystérieuses de notre temps sont incluses. La réflexion de Breton n'est pas loin de celle d'Héraclite qui croit que l'homme qui dort construit l'univers. Il fut un temps où les grands mathématiciens étaient d'abord poètes, car ils croyaient que la poésie était la science du futur. On faisait les découvertes à partir des sentiments qui animaient les gens. L'homme curieux voudrait voyager. Ce n'est pas le bateau qui lui donne envie de voyager. C'est plutôt le goût du voyage qui a inventé le bateau et qui pousse Archimède à lancer son fameux cri.
Tout corps plongé dans l'eau reçoit une poussée verticale de bas en haut égale au poids du liquide déplacé. J'ai toujours senti que ce théorème inusable cachait un sens secret jusqu'à ce que je comprenne qu'il s'agit plutôt de poésie que de science et qu'il vient de la nuit plutôt que du jour. C'est Coleridge qui m'a fait comprendre ce mystère avec ce troublant poème. Si un homme traversait le paradis en songe, qu'il reçut une fleur comme preuve de son passage, et qu'à son réveil, il trouva cette fleur dans ses mains, que dire alors? Je dis alors que cette fleur existe et qu'elle s'appelle poésie. Et que si on refuse d'y croire, la nuit disparaîtra et le monde deviendra simplement concret, comme un objet qui pourrait un jour appartenir à quelqu'un. Bon, moi je reviens des petites chroniques d'adolescentes d'un livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Donc, c'est deux sœurs, donc, qui s'appellent Chloé. Donc, la première, c'est donc une chronique de Chloé. J'ai ajusté mon bonnet et jeté un dernier coup d'œil au miroir. Parfait. À l'abri derrière mon fond de teint et mon rouge à lèvres, j'étais prête à affronter la journée. J'ai déballé les trois étages en insérant le casque dans mes oreilles. En bas, la porte était encore cassée et le vent froid s'engouffrait dans l'escalier. Si seulement il pouvait emporter l'odeur de pisse. Lily était déjà à l'arrêt de bus. Elle m'a fait un signe de la main, je l'ai ignoré et j'ai continué ma route. Ce matin encore, je ne suis pas montée avec elle. À quoi bon aller au lycée? Mon avenir est tout tracé. Dans 3 mois, je décrocherai le bac avec mention et je m'inscrirai en fac de lettres. Je n'y mettrai jamais les pieds. Les études, au pire, c'est payant. Au mieux, ça ne paye pas. Hier matin, maman m'a encore reçu un recommandé. Elle l'a caché sous ses pantalons avec les autres, mais je ne suis pas bête. En plus de son boulot au resto, elle fait du repassage pour les voisins. Je ne peux pas continuer de vivre à ses crochets. L'année prochaine, je travaillerai. J'ai traversé la cité en la regardant s'animer. Le matin, ça sent l'espoir. C'est peut-être le jour où tout va changer. Une rencontre, une idée, une solution, un départ. Chaque matin, j'écris dans ma tête mes rêves, crayon à papier. Chaque soir, je les efface. Je saluais d'un geste de la main ceux que je croisais. Depuis 5 ans qu'on vit ici, je connais tout le monde. Leïla, qui a amené Asia et Elias à l'école, Madame Lopez, qui buvait son café à la fenêtre, Ahmed, qui rejoignait sa voiture, Marcel, qui promenait ses 2 chihuahuas, Nina, qui courait pour ne pas louper le bus, et Jordan, qui n'arrivait pas à faire démarrer son scooter, Ludmilla, qui s'en grillait une devant l'entrée du bâtiment D. « Je t'attendais !» elle m'a dit en ouvrant la porte. Elle habite au 7e dans un studio. C'était la première fois que je venais. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur le clic-clac. « Malik m'a promis que tu étais fiable !» elle a lâché en attrapant un paquet sous la table basse. « Tu confirmes ?»« Je suis fiable !»« T'achètes chez qui d'habitude ?»« J'ai jamais acheté, c'est la première fois. Je fume les joints des copains. »« Ok, fais voir ta bague !» Je lui ai tendu l'anneau en or, elle l'a inspecté comme si elle s'y connaissait. « Ça vaut un 10, t'es ok ?» J'ai hoché la tête avec conviction pour cacher que j'ignorais ce qu'était un 10. Elle m'a montré un petit cube marron, l'a emballé dans du papier alu et me l'a glissé dans la main. « Si on te demande, tu dis que c'est Jo qui te l'a vendu. » J'ai rangé le paquet dans mon sac à dos, au milieu des cahiers et des livres scolaires, puis je me suis dirigée vers la porte. Je m'apprêtais à la fermer quand Ludmilla m'a lancé. « Dis donc, c'est pas toi la meuf qui a gagné le concours d'écriture l'année dernière ?» J'ai fait comme si je ne l'avais pas entendu et j'ai refermé la porte. Voilà la première. Curieuse de prendre la suite. Il y en a d'autres, il y en a une derrière. Alors là, c'est... Donc, deuxième petit extrait de Dany Laferrière, toujours, intitulé « La fin d'un café à Montréal ».
J'ai trouvé que ce texte était bien approprié à cette période de restrictions sanitaires. Voilà. Je me lève généralement très tôt pour lire. C'est souvent de la poésie, une sorte de prière du matin. Je me rendors quelques minutes après avec le recueil sur ma poitrine. Les images du poète me suivent dans mes rêves. Puis je me lève pour filer dans la petite chambre où je travaille. Un coup d'œil sur les dernières pages du roman que je suis en train d'écrire. Toujours la même déception. Comment ai-je pu écrire de pareilles stupidités? L'expérience n'aide à rien. On retombe dans les mêmes naïvetés. Une douche. Je descends au centre-ville prendre le petit déjeuner. Cela fait près de 20 ans que je fréquente le même café sur la rue Saint-Denis. Je ne me souviens plus dans quelles circonstances j'y suis entrée pour la première fois, ni même pourquoi j'y suis retournée. Mais je me souviens certainement du moment où j'ai eu l'impression que c'était devenu mon café. Cet endroit est à mes yeux le cœur de la ville. Tout converge vers ce point. Et c'est à partir de là que je m'oriente. S'il m'est arrivé d'oublier l'heure exacte d'un rendez-vous, je sais toujours le lieu. Il m'arrive de passer au café pour être un moment seul parmi les autres. Je m'installe sous la photo de Nelly Gunn, ce jeune poète aux grands yeux liquides qui rêva d'un vaisseau d'or avant de finir dans un hôpital psychiatrique. Déjà, on apporte un café. Dire que pendant des années, je n'arrivais pas à boire du café sans me mettre à trembler. Je ne supportais que l'odeur. C'est la seule boisson dont l'odeur tient ses promesses. Le goût ne déçoit pas. Depuis quelque temps, le goût du café m'est revenu comme une sorte de chant du matin. J'ouvre un livre. Pour moi, 9 fois sur 10, c'est Borges. Borges accompagne bien le café. Et c'est un moment de luxe inouï dans la vie d'un citadin. Ce calme au cœur de l'agitation. Je me demande comment on s'est arrangé pour conserver un pareil espace, souvent vide, dans un monde de plus en plus motivé par le gain. Je regarde le propriétaire se démener derrière le comptoir. Il est à la caisse et à la machine à café. Déjà le front en sueur et le regard sans aucune lueur. Il doit payer un lourd loyer avec de rares clients qui se nourrissent de salades et de café. Pourtant, je n'ai jamais vu pousser à la consommation. Il m'arrive d'oublier mon café parce que je me suis perdue dans les labyrinthes de l'érudition borgésienne. Mais depuis quelque temps, le propriétaire semble encore plus soucieux que d'habitude. Ses gestes sont plus saccadés et les jeunes serveuses qui arrivent en bicyclette ne parviennent pas à le faire sourire. C'est pourtant ici que se joue l'équilibre d'une ville, dans cette vaste pièce où des gens aux humeurs différentes se côtoient sans se parler, mais ne s'ignorent pas pour autant. Je regarde cette femme en train d'écrire dans un grand cahier neuf. J'observe cet homme qui lit scrupuleusement le journal. Dans un coin, à l'autre bout de la pièce, se tient l'écrivain Robert Lalonde. Sur sa table traînent des bouquins et des manuscrits bariolés qu'il corrige sans prêter attention au café qui refroidit. Parfois, un journaliste le rejoint. Comme dans n'importe quel village, on finit par connaître les habitudes du voisin.
Son caractère se révèle avec le temps, car le temps joue un rôle primordial. Vous pouvez entrer dans le café comme vous voulez, mais cela prend 10 ans pour faire partir du club. Pour faire partie du club, pardon. C'est un club dont l'unique règle est la discrétion. Ici, on ne vient pas chercher la conversation, encore moins à la chasse amoureuse. De toute façon, c'est souvent clairsemé, sauf à l'heure du repas, où il y a une certaine animation. Vers 2 heures de l'après-midi, on retrouve le calme. J'ai appris dernièrement que le café allait changer de propriétaire. Notre homme a fini par jeter l'éponge après un combat quotidien où il a joué sa santé et sa petite fortune. Il semblait encore plus survolté ces derniers jours. Il n'était pas capable de me dire ce que serait ce café dans un mois. De toute façon, on n'achète pas un café qui n'est pas rentable pour le garder tel quel. Mais nous, c'est comme il est qu'on l'aime. Le moindre changement brisera le charme et touchera à l'équilibre de notre vie. Voilà. Merci. Mais ouais. D'où l'utilité des cafés en ces temps de restriction. On le ressent, le manque. Hein. C'est assez juste, hein, ces espaces de solitude parmi le... J'aime bien l'idée d'être seule parmi le groupe seul, quand on est au café. Et en même temps, avec les autres. Ouais. Un lieu de vie. Donc, moi, je reprends, donc, si vous voulez bien, encore une chronique d'une jeune fille, toujours pareil, la suite de Virginie qui m'a dit. Donc, maintenant, c'est la petite sœur, c'est Lily, qui nous raconte cette petite histoire. Donc, Lily, elle s'adresse à son cher Marcel. Samedi, pour mes 12 ans, ma reine m'a offert un journal intime. Toi, elle est gentille, sûrement pour compenser ses dents de ragondin. Mais là, elle a grave abusé. Déjà, j'ai jamais compris l'utilité d'un journal intime. Et j'ai assez de devoirs comme ça. Mais en plus, elle a choisi avec une couverture rose à petit cœur. Il manquait plus que les paillettes. J'avais pas prévu de te toucher. Je t'avais laissé dans la cuisine en espérant que ma mère ou ma Chloé te jetteraient avec les prospectus. Et tout à l'heure, il m'est arrivé un truc qu'il faut absolument que je raconte à quelqu'un et que je ne peux raconter à personne. Alors, j'ai colorié ta couverture avec un marqueur rouge, j'ai ajouté un cadenas, de précaution, ben mieux que deux tu l'auras, je t'ai trouvé une cachette parfaite, mais je ne dirai pas où. Chloé, si tu lis ça, arrête tout de suite que je répète à maman que tu lui piques tes soutifs. Au fait, tu t'appelles Marcel, j'espère que ça te plaît. C'est parce que tu es rouge comme Marcel Muffon, le chauve du premier. Je ne sais pas si je vais t'écrire souvent. Si c'est comme l'eau précieuse, je vais oublier 2 soirs sur 3, mais je vais essayer. Donc, je te raconte. Ce matin, j'avais mal au ventre dans le bus. J'avais même pas pu finir mes céréales au petit-déj. C'était bizarre, mais je croyais que c'était à cause du contrôle d'anglais. Je ne connaissais pas tous mes verbes irréguliers et ça me stressait. Sauf qu'après le contrôle, j'avais encore mal. Du coup, je me suis dit que c'était à cause du repas d'hier soir. Avec Chloé, on s'était réchauffé la daube que ma mère avait rapportée du resto. Ça porte bien son nom, je te dis pas. En sport, on a fait du basket. J'ai crié à Théo de me faire une passe pendant 10 minutes et il m'a obéi pile au moment où je me rattachais les cheveux. J'ai rattrapé le ballon avec le nez qui s'est mis à couler rouge, alors le prof m'a fait sortir. J'étais sur le bord du terrain, la tête en arrière, du papier toilette dans les narines, il n'y avait pas de coton. Quand j'ai entendu glousser derrière moi, c'était 2 mecs et une fille de 4e C qui étaient assis dans les gradins. Ils me regardaient tous. Un petit brun avec une tête de lavabo m'a demandé si je m'étais pris un ballon dans le cul. J'ai répondu que non, seulement dans le nez. Ils ont rigolé en fixant mes fesses. Et d'un coup, j'ai compris. Ça expliquait le mal de ventre. Ma mère m'a raconté plusieurs fois comment marchaient les règles. Il fallait qu'elles arrivent le jour où j'ai mis mon jogging blanc. J'ai reculé jusqu'à la porte et j'ai longé le mur jusqu'au vestiaire.
J'avais du sang partout. Je ne savais pas qu'on en perdait autant. Ma culotte, c'était une scène de crime. J'ai nettoyé comme j'ai pu et j'ai mis quelques feuilles de papier toilette pour protéger. Mais j'ai vite vu que ça ne suffirait pas. Alors j'ai aplati le rouleau et je l'ai posé en entier dans ma culotte. J'ai marché en crabe toute la journée. Mon manteau attaché autour de la taille, apparemment personne n'a rien vu. Il faut que je dise à ma mère d'acheter des serviettes. Bisous Marcel. Lily. PS. Si ça se trouve, c'est pas mes règles. C'est une hémorragie cérébrale qui coule par le bas à cause du ballon dans la tête et demain je serai mort. C'est vraiment des. Je dis ça parce que c'est tellement marrant. De toute façon, voilà. Allez, je te laisse. Voilà, un dernier petit extrait. Attends, il n'y a plus qu'un. Attends, mais moi j'ai encore plein de trucs à lire. J'ai encore plein de trucs. J'ai encore deux chroniques, deux poèmes. Tu diras encore après. Tu vas en prendre un autre. J'en ai plus. Ah bon, je me garde. Pour la prochaine, j'arrête. Alors, un soir de lune. J'entends les pas de mon ami dans l'escalier. Il va directement au réfrigérateur prendre une bière. En passant, il jette un coup d'œil à mon manuscrit sur la table, à côté d'un reste de repas. Je le laisse faire sans y prêter une attention particulière. Je me demande si les autres animaux pratiquent la visite amicale. Quelqu'un bouge dans votre espace sans créer une anxiété particulière. Il s'arrête un moment à feuilleter le manuscrit. Permettre à quelqu'un de lire son livre en cours crée une intimité qui équivaut à celle de partager sa brosse à dents avec lui, avant de me rejoindre à la fenêtre. On regarde un moment cette lune si pleine qu'on a envie de l'accueillir. L'impression de se trouver dans un dessin d'enfant. Je pense justement à ce temps qui remonte à la haute enfance, où j'entretenais cette relation particulière avec la lune. Certains soirs, j'allais visiter le vieil homme et son âne, qui me semblait bien seul là-haut. Je n'imagine pas qu'un seul être ait pu vivre un certain temps sur cette terre, sans avoir été au moins un soir attiré par ce disque qui nous éclaire de sa discrète lumière. On a des yeux doux pour la lune quand on ose à peine regarder le soleil en face. Tu fais donc partie de ceux qui croient à un monde invisible ? Me fait l'ami en s'accoudant près de moi. Oui. Et quel est ce monde ? Celui qui est constamment sous nos yeux. On est tellement dedans que pour le voir, il nous faut l'imaginer. Ah, vous les poètes, fait-il en allant chercher une seconde bière. Si vous n'étiez pas là pour le maquiller, ce monde serait insupportablement nu. Tu veux dire trop brutal? Le monde n'est ni brutal ni doux. Il est. C'est peut-être toi qui as raison. Je crois que je vais prendre une bière moi aussi. La lune qui avait disparu derrière les nuages apparaît dans l'encadrement de la fenêtre. Une lune pleine et lumineuse. Voilà. Merci. Bon, pour changer un peu de jeu, je reprends des poèmes. Comme tu veux. Si ça vous convient. Hein. Donc, le premier, c'est. J'ai encore du temps pour lire. Oh, c'est bon. Ouais. Oh, bah, oui, on peut prendre encore. Voilà, poème. Il y a un poème que je voulais me connaître. Et une petite chronique avec plaisir, d'accord. Super. Alors, ce poème-là s'appelle Colombe, ma messagère. Ma douce et blanche colombe, sois ma messagère. Apporte mon amour à celle qui m'est chère. Ne suspends pas ton vol, je te prie. Va vite vers ma belle. Lui dire combien je me languis d'être si loin d'elle.
Quel est pour moi mes joies et mes désirs, le brûlant feu d'amour et mes profonds délires, que j'aime entendre dans la nuit le doux bruit de ses pas quand elle vient tendrement se blottir dans mes bras. Colombe, ma messagère, envole-toi et dis-lui encore qu'il me tarde de caresser sa chevelure au reflet d'or, qu'elle occupe toujours mon esprit et mon âme, que mon cœur en détresse l'appelle et la réclame, qu'elle est l'étoile de mes nuits, l'étoile de mes jours, l'étoile de mes rêves qui en moi brillera toujours. Voilà. Si vous voulez encore un poème, il y a encore un poème. C'est une déclaration. Pourquoi pas un deuxième poème. Non, je voulais un dernier poème, après je voulais une chronique. Oui. Alors, on arrête quand même pas longtemps. Ça prend un espace. Non. Je te dirai des mots. Je te dirai des mots qui s'appellent désir. Toi, mon secret miroir, aussi doux sourire. Je te dirai des mots d'une infinie tendresse, suaves et ardents. Des mots aux couleurs de printemps, beaux et lancinants. Je te dirai des mots qui s'appellent frémir. Toi qui dans mon âme as su me séduire. Je te dirai des mots sucrés, toi ma fidèle amante. Des mots au goût de miel pour tes lèvres troublantes. Je te dirai des mots brûlants si je te vois grelotter. Et si un jour monotone, je te vois sangloter. Je te dirai des mots joyeux au plus profond de mon cœur. Des mots d'une absolue volupté et enivrant de bonheur. Je te dirai des mots magiques et inconnus que nulle femme à ce jour n'a jamais entendus. Je te dirai des mots d'amour au-delà de la nuit, des mots passion au-delà de ma vie. Je te dirai des mots venus de mes fleuves rêveurs, où la terre est délice et les lieux enchanteurs. Je te dirai des mots irréels, au-delà de mes murmures, des mots exaltants et charmeurs, toi ma belle aventure, je te dirai des mots. Voilà mesdames, si vous voulez le poème, voilà les poèmes. Tu peux nous redire, c'est tous des poèmes du même auteur. Voilà, c'est tous des poèmes de cet ami corse, Jean-François Versinet, qui a eu d'ailleurs qui a été plusieurs fois lauréat de concours nationaux et internationaux. Mm-hmm. Okay. Donc maintenant, celui-là, je me vois une petite chronique de. Alors là, qu'est-ce que je vais vous dire, puisqu'il y en a peut-être une en trop. Donc je vais vous dire celle-là. Je crois que c'est celle-là qui est amusante. Alors, c'est toujours lui. J'écris toujours sur son journal. Cher Marcel, je suis désolée de t'avoir écrit depuis plusieurs jours, mais j'avais la grippe. Alors je te dis pas. À un moment, j'avais tellement de fièvre que je n'osais plus m'asseoir sur les chaises en plastique. Ne t'inquiète pas, ça va mieux, même si j'ai encore un peu la voix de garou au réveil. Aujourd'hui, c'était la grève au collège. Les profs étaient partis faire un défilé de mode dans la rue. Et comme Chloé était au lycée, ma mère voulait que j'aille chez papy. Mais passer la journée avec des gens de 60 ans, merci bien, je ne suis pas un antiquaire. Du coup, je suis allée chez Clélia. Son père était d'accord pour nous garder. Mais en vrai, il a surtout gardé la télé. J'adore aller chez Clélia, déjà parce qu'elle a un chien trop mignon, qui s'appelle Rocky. Mais surtout parce qu'elle a des rats. C'est trop cool les rats. Tout le monde croit que c'est sale, alors que c'est très propre. Et en plus, c'est hyper intelligent. J'ai vu dans un reportage qu'ils n'ont même pas besoin de récompense pour venir au secours d'autres rats en détresse. Peut-être que j'aimerais plus les gens s'ils étaient comme eux. Les rats de Clélia s'appellent Rature et Ratiche. Elle croyait que c'était deux femelles. Mais vu que Rature a eu 7 bébés, soit Ratiche est un mâle, soit on peut tomber enceinte en mangeant des carottes. Ce que j'espère pas. J'aurais bien voulu en prendre un, mais la mort dans l'âme, pas la chanteuse, j'ai dû refuser. Une fois, quand j'étais petite, on a vu une souris dans l'escalier. Ma mère a hurlé tellement fort que mes tympans se sont suicidés pendant quelques minutes. Puis elle a descendu les escaliers comme si elle avait des skis. C'est pour ça que je vais chez Clélia dès que je peux. On prend Ratiche et Rature sur nos épaules et on va se promener. Ils viennent boire sur notre langue en posant leurs petites pattes sur nos lèvres. C'est trop mignon. Alors, après, je suis rentrée pour faire mon exposé sur les aurores boréales. Chloé était encore enfermée dans sa chambre à écouter de la musique. Elle n'a pas répondu quand j'ai frappé et elle n'est pas sortie pour manger le gratin de pâtes que ma mère nous avait préparé avant de partir. Maintenant, je vais aller me coucher. Parce que je ne sais pas toi, mais moi je suis crevée. Je me brosserai les dents demain. J'espère que ma mère ne les sentira pas quand elle viendra me faire un bisou en rentrant. Bisous Marcel et bonne nuit. PS, j'ai froid aux pieds. Alors j'ai passé le sèche-cheveux sur mes draps. Mais le temps que j'aille le reposer, ils allaient refroidir. Génial, très bien. Voilà. Très bien. Donc voilà. Maintenant, si vous en voulez une autre, il y en a encore une autre.
Sinon, on arrête. Oh, bah une petite dernière de. C'est quoi c'est Chloé? C'est la sœur? Non, ça, non, c'est Lily. Non, c'est surtout Lily, Chloé. Oh, c'est très Chloé, cool, après, ouais. C'est plus en rapport avec les garçons, les choses comme ça. Donc, allez, une petite plus dernière. Plus... Allez, alors, une petite dernière. Toujours, elle écrit à son journal pour toujours, hein, de toute façon. Alors, cher Marcel, je crois que ça y est. Cette fois, ma mère a pété les plombs. Je t'écris du siège passager du camping-car de mon grand-père, quelque part en Allemagne. Depuis ce matin, elle conduit. On s'est juste arrêté pour manger un sandwich. Sur une aire d'autoroute. Il y avait des policiers en uniforme. J'ai failli leur sauter dessus pour leur demander de l'aide. Mais je ne sais pas comment on dit SOS en allemand. Alors j'ai mangé mon sandwich en français. Hier soir, elle nous a dit de préparer une valise. J'ai cru qu'elle voulait qu'on aille voir notre père. J'étais dégoûtée. J'ai rien à lui dire au Marseillais. Déjà que je suis obligée de lui parler sur Skype. Mais quand elle a précisé de prendre des affaires chaudes, j'étais soulagée. J'ai insisté pour savoir où on allait. Je veux bien être gentille, mais je ne veux pas être la risée de la farce. Elle a annoncé qu'on allait voir les aurores boréales en Scandinavie. Elle est devenue dingue, je te dis. Je suis sûre que c'est à cause de mon exposé. Heureusement qu'il n'était pas sur les trous noirs. Ce matin, on est passé dire au revoir à mon arrière-grand-mère. Elle a donné une boîte à ma mère. Apparemment, dedans, c'est une urne avec son mari. Elle lui avait promis de le jeter tout en haut de la Norvège, au cap. Je ne sais plus quoi. Parce qu'ils y étaient allés ensemble, mais elle n'a jamais eu le courage, et maintenant elle ne peut plus à cause de ses jambes. Donc elle a demandé à ma mère de le faire pour elle. J'ai pas connu Pépé, mais il devait vraiment être petit pour entrer là-dedans. Après, on est allé chez mon grand-père. Il nous a expliqué comment marchait son camping-car. J'ai pas tout suivi, sauf le truc des toilettes. Là, il y a comme un caisson qu'il faut vider quand il est plein. Je peux te dire que je préfère faire mes besoins par la fenêtre à toute allure sur l'autoroute plutôt que de vider ce machin. Comme je ne suis pas sûre de revenir vivante, je vais en profiter pour faire mon testament. Je le transmettrai au croque-mort si besoin. Alors, je sous-signais Lily sainte de corps et d'esprit. Lègue ma collection de pierres et minéraux à Clélia. Je sais qu'elle s'en occupera. Bien. Lègue mon bracelet brésilien violet à Ratiche et mon bracelet brésilien d'or à Rapture. Lègue mon dictionnaire à Manon et mon eau précieuse à Juliette. Lègue mes livres de Picsou à ma mère, si elle est encore vivante. Lègue mes dents de lait à ma sœur, si elle est toujours vivante. Fais le souhait de ne pas avoir mon père à mon enterrement. Je veux qu'on mette sur ma tombe la photo où je suis avec Bronnie, ma chienne de quand j'étais petite. Surtout, pas une photo récente, parce que même si je m'en fiche d'avoir une coupe de Playmobil, je fais quand même moins peur avec les cheveux longs. Voilà Marcel. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que je t'écris. Mais si jamais, j'étais contente de te connaître. C'était un journal sympa. Oh, c'est pas vrai. Ma mère vient de mettre un CD de Céline Dion. Bon, ben bisous Marcel. Adieu peut-être, cœur avec les doigts. Maintenant, il faut vraiment que j'apprenne à dire SOS en toutes les langues. Donc voilà, si vous voulez lire des trucs marrants, c'est avec cette phrase. Virginique, ok. Voilà, il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est super. Ouais, c'est vraiment, c'est que des adolescentes qui parlent. Donc la jeune, elle sort des trucs vraiment récents. C'est un humour caustique. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et ben, merci beaucoup à vous deux.